Vous êtes jeune, élève ou étudiant, vous aimez le sport et vous voulez en pratiquer à un niveau professionnel, mais cela vous oblige à faire l'impasse sur vos études ou futures études. Pas nécessairement. Il est possible d'allier les deux. On peut être sportif et réussir ses études. C'est d'ailleurs une combinaison en or. Nous allons en parler pendant un quart d'heure avec Abdoulaye Diabaté. Il est administrateur de société, agent de joueur FIFA. Il nous dira comment c'est possible de concilier le sport et les études. Et ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, M. Diabaté. Bonjour, Andrew. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Il a sa petite recette que nous découvrirons juste après à ce reportage signé Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Et ils vont faire circuler le ballon, vous le savez, les enfants, comment ils jouent. 1999, finale de la Super Coupe d'Afrique. Les jeunes académiciens du centre de formation de la SEC Mimosa, dirigé par le français Jean-Marc Aguillou, tiennent la dragée haute à l'Espérance de Tunis. Déjà embryonnaire, l'engouement pour les centres de formation connaît un pic. Plus d'une centaine, remaniés fin 2000, après l'élaboration d'un statut des associations de formation par la Fédération ivoirienne du football FIF. De nombreux jeunes formés sur les terrains poussiéreux à travers le district. Quid du volet études, ils sont peu nombreux à emboucher cette trompette. Manque de moyens selon plusieurs responsables du centre de formation. Mais aujourd'hui, l'expérience au niveau professionnel l'a montré. L'adéquation formation footballistique et études est plus qu'une nécessité. À partir du moment où on donne la base à quelqu'un, c'est-à-dire la base de savoir bien compter, de savoir bien s'exprimer, eh bien, on a déjà fait un grand pas. Et des footballeurs confirmés comme Habib Bey, le Sénégalais ancien star de l'Olympique de Marseille, doivent leur parcours et leur approche post-footballistique au fait de ne pas avoir délaissé les études pendant leur formation. J'ai poursuivi mes études jusqu'au bout, j'ai été jusqu'au bac et ensuite j'avais en même temps le football et je suis devenu footballeur professionnel à 19 ans. Mais on se rend compte que la carrière d'un footballeur professionnel dure entre 15 et 20 ans et qu'ensuite il faut avoir une reconversion. Mais tous n'ont pas eu cette chance, surtout sur le continent. Des entrepreneurs sportifs essaient de contribuer au rayonnement du binôme études et sport. Le prix sport études en l'occurrence, la deuxième édition qui a récompensé 20 apprentis footballeurs méritants. Le débat actuel, ce n'est plus selon les observateurs la question de la compatibilité entre les sports et les études. Il est aujourd'hui question de restructuration. La Côte d'Ivoire l'a compris. Le formateur Jean-Marc Aguillou s'est vu confier la relance de la formation à travers le projet Ces Jeunes. Merci, M. Diabaté. Merci d'être venu. Vous êtes agent de joueur, hein, notamment. Dites-nous, qu'est-ce que c'est d'abord, un agent de joueur? C'est quoi son rôle? Merci, Hamza. Un agent de joueur, je dirais, c'est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, mais des parties en relation. Des parties entendues par là, les clubs et les joueurs, et intéressés par la conclusion d'un contrat, je dirais un contrat rémunéré, et pour une activité sportive. Et par moment, on a des terminologies d'agent de joueur, agent FIFA, agent licencié. Oui. C'est juste seulement, oui, bon, c'est juste seulement dit que un agent FIFA, c'est quelqu'un qui doit être détenteur d'une licence qui est délivré par une fédération internationale de football. Une fédération de football et surtout après un examen écrit. Donc la connaissance aussi, sinon l'exercice du métier implique aussi des connaissances dans divers domaines, notamment dans le domaine du sport, dans le domaine du marketing, du management, je dirais de la fiscalité et même des relations publiques. Et aussi, il faut le savoir que l'agent de joueur est rémunéré par des commissions. Et ces commissions sont en principe calculées sur les rémunérations perçues par le joueur tout au long du contrat. Et ces rémunérations varient entre 3% et 10%. Et voilà. L'agent de joueur, ça ne concerne pas que le football, hein, c'est tout le sport en général. Oui, tout le sport en général, mais dans notre cas, où nous sommes sur le plateau, nous sommes agent de joueur FIFA Football. FIFA Football, et vous êtes agent de joueur, vous avez surtout initié un concept de football d'accord, mais l'école d'abord. Justement, le football d'accord, notre concept, football d'accord, école d'abord, nous véhiculons, c'est un slogan que nous véhiculons depuis quasiment bientôt, je dirais, 7 ans. Et c'est un concept qui dénote de notre vision managériale et qui a un aspect d'un marketing sociétal et sur trois visions, à savoir un angle sportif, éducatif et social.
éducatif parce que nous soutenons la politique nationale de l'école obligatoire en sensibilisant ces jeunes-là, en leur disant qu'il ne faut pas abandonner l'école pour le football parce que le foot, il est aléatoire. Sportif parce que nous sommes là en tant que conseil pour qu'ils puissent opérer des meilleurs choix pour leur carrière sportive et sociale. Sociale parce qu'ils viennent des quartiers les plus difficiles, il faut les soutenir. Et le soutien pour nous, avec nos partenaires, c'est de les encourager en leur remettant par moment des kits scolaires. Et c'est de là qu'est parti le PSE, le prix sport et études, certainement, pour encourager ces footballeurs, ces jeunes élèves qui ont à cœur d'embrasser la carrière de footballeur professionnel. Justement, je dirais que les prix sport et études, et c'est la résultante de notre slogan du football, d'accord, école d'abord. Oui. Et par le canal de ce slogan et à travers ce concept pré-sport études, nous sensibilisons les jeunes à la pratique du football et aussi au fait d'aller à l'école. Donc le message de l'impérativité pour ces jeunes d'avoir les études en soutien de leur activité sportive. Voilà un peu pourquoi est-ce que nous avons créé ce prix, pour encourager un tant soit peu tous ces jeunes-là. On peut donc être bon footballeur, bon sportif, mais avoir surtout une tête bien pleine. Justement, on a des exemples qui sont légion. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de la reconversion de nos footballeurs parce qu'aujourd'hui, on les trouve dans tous les domaines d'activité. Ils sont des managers sportifs, ils sont des consultants, ils sont de grands entrepreneurs. Ils sont consultants ici sur nos plateaux de sport. Sur nos plateaux, donc c'est à tenir du fait qu'ils ont pu soutenir leur activité sportive avec l'éducation scolaire et avec un niveau réalisant qu'ils ont eu et ce qui les permet d'exercer dans ces différents domaines aujourd'hui. Vous êtes à votre deuxième édition en 2019. Le thème de la première édition était axé sur l'immigration clandestine. Quelle relation vous faites entre le football et justement l'immigration clandestine? Oui, je dirais que la relation est tout simple parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le football aujourd'hui est un ascenseur social et pour nous, le football, c'est une activité économique et sociale qui a un ascendant fort. Et de ce fait, notre environnement footballistique est gangréné par certaines personnes véreuses, je dirais des agents véreux, qui attrissent ces enfants vers l'Eldorado en brandissant, je dirais, le spectre de la réussite garantie et en atteignant l'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc les enfants qui veulent vaille que vaille reçus leur projet de football sont attirés. Et je dirais, face aux apparences, au-delà des apparences, nous avons le revers du rêve foot à l'école n'est pas toujours idyllique, hein, parce que les stats que nous avons, 1 pour 1000, c'est le taux des personnes qui arrivent à atteindre le monde professionnel. Donc, toutes ces personnes, vu la réussite des uns et des autres, veulent forcément aller. C'est vrai, c'est un rêve que nous encourageons, mais malheureusement, les personnes sans foi ni loi entraînent ces enfants vers le couloir de la mort, et le couloir de la mort, attendez par là, le désert. Et comment vous pouvez lutter contre ça à travers votre concept de foot, d'accord, mais école d'abord? Surtout par la sensibilisation à l'éducation. Parce que même les parents sont en pleine complicité, par moment avec ces agents-là, parce qu'ils viennent dire que votre genou, si vous arrivez à nous donner de l'argent pour qu'ils puissent aller de l'autre côté, certainement c'est une réussite. Ce n'est pas forcément le cas. Et comme je le dis toujours, si les études sont en soutien, les parents sont conscients que même si son fils ne reçut pas au football, l'école pourra vraiment lui permettre aussi de s'orienter dans la vie. Et si on ne passe pas par l'éducation pour sensibiliser, ça serait vraiment très difficile. Ce samedi dernier, c'était la deuxième édition du prix sport et études. On vient de le voir dans le reportage. Le thème là, c'était les perspectives sociales liées au développement du sport dans les systèmes éducatifs africains. C'était l'un des thèmes abordés cette année. C'est dire quoi concrètement? Justement, sur ce thème, c'est un sous-thème de notre thème global de la seconde édition, à savoir le binôme foot-école au service des politiques sociales africaines. C'est encore un sujet d'actualité que nous avons mis auparavant, c'est-à-dire un point d'honneur sur cette situation-là pour dire que ça rime avec la vision de nos politiques aujourd'hui, à savoir le volet social. Et les institutions, ce sont aussi le volet social. Donc, il fallait pour nous maintenir ces jeunes, présenter le binôme foot-école comme une inclusion, une solution d'inclusion, une solution inclusive et aussi un lieu de promotion des droits des enfants et aussi un cadre, un vecteur d'insertion et de réussite pour ces enfants-là. Donc nous avons débattu de ce thème-là avec des amis venus des quatre coins du monde pour nous passer le message et non des moindres, vous avez eu des icônes
qui étaient là. Et nous allons y revenir. Il y avait sept autres thèmes, stratégie sectorielle du sport féminin, éducation et développement social vers de véritables politiques pour la féminisation du sport en Afrique. C'est quoi le constat? Le sport féminin en Côte d'Ivoire va mal, il se cherche, comme on le dit. Non, on est dans une phase... Le foot surtout, le foot féminin. Le foot féminin, c'est encore un clin d'œil que nous avons fait, je dirais... à l'éducation et au sport de la jeune fille. Parce que nous ne souhaitons pas les avoir en tant que les contenter comme athlètes. Nous souhaitons aussi la saine émulation de ces jeunes filles-là en leur disant que par le sport, on peut s'épanouir, par le sport, on peut réussir, mais toujours soutenu par l'éducation. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été débattu au niveau du panel avec, je dirais, dans la parité, des femmes qui sont venues et non de moins des grosses têtes. Et en griffe, la sélectionneuse nationale, Trudy Clémentine, vraiment oui. qui nous a fait vraiment un beau retour d'expérience de personnel, et aussi maître Joël Monlu, qui est avocate sportif, avocate de la CAF, qui nous a fait vraiment montre de toutes ses connaissances au niveau de ce domaine footballistique là. On a été aussi ébloui par madame Rosaline Brown de BeLife, Prudential BeLife, qui vraiment nous a permis aussi des dames qui sont venues pour démontrer que la femme peut être championne également à travers le sport et l'éducation. On a aussi remarqué la présence de grands nom du sport, des internationaux comme Didier Drogba, Habib Bey par exemple qu'on venait de voir tout à l'heure. Nous avons eu aussi Jean-Marc Guillaume qui était à votre, des exemples pour ces jeunes gens, pour leur dire que voilà, vous pouvez devenir des Habib Bey tout en allant à l'école. Justement, c'était vraiment de véritables exemples, créer la proximité avec ces personnes-là, ces icônes-là que ces enfants les voient à travers les médias, surtout au niveau de la télé. Et aujourd'hui, nous étions la semaine dernière, disons, on était très fiers d'avoir tout ce beau monde avec nous. Et c'est le lieu aussi de dire merci à Didier Drogba qui était le parrain sportif de cet événement et qui, de par sa fondation qui fait des actions sociales, est venu vraiment nous soutenir. Habib Bey qui, à la limite, est arrivé sur la pointe des pieds, tenez-vous, un séjour de moins de 15 heures de temps au niveau de la Côte d'Ivoire, mais pour lui, il était question vraiment de venir soutenir ses enfants-là. Et aussi, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine sport, je veux parler du doyen Djibril Diallo, qui est lui-même le président de l'ARDN, à savoir African Renaissance and Diaspora Network, qui est venu vraiment passer un message, notamment pour soutenir nos jeunes filles, avec la campagne qu'on aura au mois de mars prochain, le 6 mars prochain aux États-Unis, pour parler de ce volet, à savoir le carton rouge qu'on doit brandir pour toutes les formes de violence contre les jeunes filles. Après ces deux éditions, vous pensez que vous atteignez votre objectif, vous en êtes proche quand même, les enfants vous écoutent, le message passe auprès des enfants, auprès des parents également? Justement, le message... Il faut aller à l'école malgré notre rêve de vouloir être sportif professionnel. Et ça, je m'en réjouis d'autant plus qu'avec notre équipe et les points focaux que nous avons un peu partout au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des messages de relais. Et aujourd'hui, quand vous sortez dans la ville et qu'on vous identifie à ce slogan, à savoir « Monsieur Football, d'accord, école d'abord », je pense que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans la tête des enfants. Et toutes les compétitions que nous avons au niveau d'Abidjan notamment et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous avons toujours ce thème-là du foot, d'accord, école d'abord, pour que vraiment nous puissions sensibiliser les enfants. Justement, pour parler de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de vous poser la question, ces actions, j'ai l'impression qu'elles sont menées uniquement à Abidjan, alors que toute la Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui rêvent également de devenir Didier Drogba. Vous pensez aller vers eux pour les sensibiliser également à continuer l'école? Justement, nous, les sensibilisons, nous avons des points focaux au niveau des grandes villes de la Côte d'Ivoire. D'accord. À Boaké, quand vous arrivez, vous avez toujours le même slogan « Foot d'accord, école d'abord » dans les compétitions. Au niveau de San Pedro, au niveau de Corogo, au niveau de Déné, on a toujours des points focaux et nous soutenons ces grandes activités sportives à travers la Côte d'Ivoire, mais toujours au thème de notre slogan. Football d'accord, école d'abord. J'ai vu également que vous offrez une cantine scolaire, une cantine et une aire de jeu multisport dans une école à Abobo pour matérialiser certainement le binôme sport et études. Des exemples, comment vous le faites chaque année? Vous donnez comme ça une cantine et puis une aire de jeu, et puis comment se fait le choix de l'école d'accueil? Notamment pour cette année, c'était l'une des grandes innovations.
de notre activité, à savoir l'action sociale. Et pour nous, l'action sociale en partenariat avec l'ONG ADN, chapeautée par son Excellence Nadia Hariri, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'en Côte d'Ivoire et aller avec nous à Bobo. À Bobo, ça n'a pas été un choix fortuit. Nous avons eu l'honneur d'être parrainés par le ministre d'État, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, qui a cru en ce projet, qui a cru de en foot, ce projet parce qu'il est orienté aussi sur la scène d'émulation des jeunes, à savoir le ministre Ahmed Bakayoko, qui nous a soutenus. Et à Bobo, il était question pour nous de ne pas aller aussi les bras ballants, bredouille. Donc nous sommes partis avec le service, les services techniques de la mairie d'Abobo, faire des tours de recherche, voir l'emplacement où on pouvait abriter ces infrastructures-là. Et Dieu merci pour nous. C'était la pose de la première pierre d'une cantine scolaire et d'une aire de jeu multisport au niveau de l'école plaque 1 d'Abobo, ce qui a été fait à la date du 24 octobre dernier. Et nous sommes passés ensuite à l'activité du 26. Et d'autres écoles, très certainement dans de prochaines éditions, recevront aussi une cantine et des aires de jeu multisport. Et de façon évolutive, d'ailleurs. Merci. Monsieur Diabaté, Abdoulaye Diabaté, administrateur de société, agent de joueurs FIFA. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le fait que nos jeunes élèves qui rêvent de devenir des sportifs professionnels peuvent y arriver, car le sport et les études, c'est bien une combinaison qui marche. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt.